Heureux les gens! Bon, alors, ne vous inquiétez pas, ce qui se peuple là, c'est tout simplement, j'avais une petite ellipse. Alors, tout simplement, c'est quand tu as justement des moutons, moutons, moutons. Déjà, j'upgrade la mid parce qu'il y en avait tellement. Mais j'ai ceci, le pink slime. Vous prenez juste un pink slime, vous le mettez dans un cube n'importe lequel. Faut que ça pop en fait, donc c'est du 3x3. Et vous avez une chance que ça pop au milieu. Hop, et vous avez popé! Et vous le tuez, et vous récupérez une Pig Slime Ball. Alors moi, ce que j'ai fait, je l'ai mis dans la Safari Ball. Et vous pouvez voir, en fait, que ça pop beaucoup. Que ça pop vraiment beaucoup. Donc du coup, sur ce point, on est tranquille. Alors, je voudrais voir un truc. Le grid, c'est quoi ça? Ah, c'est pas un grinder. Je n'ai pas fait le grinder. C'est bien ce que je pensais, que je l'avais pas fait. Ça m'aurait un petit peu arrangé le grinder, par contre. Ah, il est tombé, tant pis. Je vais bien sûr enlever bientôt la distribution de ce truc-là. On n'entend même plus le machin quoi. C'est dingue. Ça je vais enlever du coup parce que j'en ai plus besoin. Alors c'est du jungle là, mais c'est tout simplement c'est le bois là que quand vous le transformez, voilà, on l'obtient à partir d'une jungle ou on l'obtient à partir du rubber. On peut le faire dans un slug mine pour obtenir un raw rubber. Mais bon voilà. Putain, les slimes, il y en a tellement. Ah il pop. Il y a sans humidité, très bien. Puis en plus, ils vous font pas de dégâts ceux-là. Ça vous donne des slime balls de base. Putain, c'est cool. C'est quand ils meurent ou quoi? Parce que. C'est plutôt sympa en fait. Du coup, bah ça, je vais juste les laisser un petit peu temporairement. Ça, je vais oublier. Tac. Donc ça, on va en récupérer beaucoup parce qu'on va en avoir besoin énormément. Une fois qu'on a ce pink slime, du coup, on peut revenir sur le mode laser. Voilà. Laser précharger, il va nous falloir ça. Donc des bouboules en masse. Excusez-moi. Ah, elle est toute gentille, ma petite Cindy. Elle m'envoie des gros nounours sur Twitter. Ça, c'est cool. Du coup. Je devais faire une sword, mais le temps de l'upgrade. Quoique, on peut se faire une sword parce qu'avec l'upgrade, on peut avoir quand même des choses. On peut la faire déjà en manium, donc ça c'est plutôt sympa. Évidemment, j'ai pas ce qu'il faut. Sinon, c'est pas drôle. Tac, je vais en prendre 4 au cas où. Alors, on peut se prendre une rapière comme une sword tout court. Je prendrai une sword tout court. Évidemment, je crois que j'ai tout rangé. Je crois que j'ai tout rangé pour les sports. Ouais, j'ai quoi? J'ai ça. J'ai pas la dague, j'ai pas la sword. Ok, bah, j'ai déjà une manium. Ça, c'est parfait. Du coup, il y a ça. Il me faudrait juste la table qui va bien. Je crois que c'est une bûche, c'est ça. Part builder. Non, c'est pas la part builder. Table de craft, je crois. Ouais. Ah non, c'est pas une tool station non plus. Fuck, c'est pas une tool station. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Une bûche? Non, ça fait une part builder comme ici. C'est pas ça non plus. Ceci. Ouais, une stencil table, voilà. Donc ça c'est bon. Tac, tac. Ça, du coup, il me faut la petite dague qui se trouve comme ça. Et ma sword tout court. Voilà. Ici, vous le mettez tous les deux là. Je prends le backpack. Je prends de la cobble. Hop, hop. On prend ceci et cela. Voilà. Qu'on met ici et qu'on vient couler le gold dessus et ainsi que ceci. Hop. Voilà. Donc il faut deux lingots d'or pour obtenir justement ceci.
Ensuite, une fois que nous avons ça, on fait couler l'ammonium dessus. Je vais en faire couler deux. Pourquoi? Parce que sinon ça fait pas de lingot. Hop, et puis ceci. Voilà. Et on a notre sword. Tout court. Hop. On va dans la Toolforge. On va. Non, pas la dague, ici. On va faire du coup ça, ça et ça. Une longue sword. Voilà, attaque de 5 coeurs. Ah, c'était celle-là que je voulais. Merde. Ah non, c'est bon. Je pensais que j'avais. Ah, c'était une sword et là, c'est une longue sword. Charge boost. Durabilité height, charge boost. Ok, en fait, celle-ci, elle vous permet de justement voler. Et de, normalement, d'un moment, quand elle est bien. Comment? Elle est équipée en ce qu'il faut, en fait, vous obtenez du strength, je crois. Donc, du coup, on va commencer à attaquer ce qu'il faut. Oui. Voilà, déjà, vous voyez, hein, le level, il va plutôt vite. On a déjà ce qu'il faut. Puis comme c'est des slime, voilà, déjà un luck, hop, on a déjà fortune dessus. Bah, luck, vous connaissez le truc. Des slime, on a un cœur, ce qui est bien, et pink slime en mode bourrin, on en a. Elle a déjà quoi? Ah oui, il y a déjà tout ce qu'il faut. Bah, du coup, on va continuer tout ça. On va le foutre à fond. Tant qu'à faire, hein, on va foutre tout ça à fond. Ça, je vais foutre ça là. Salut le mouton! What? Bah, lui, il meurt pas. Attendez, je vais attendre, mais. Ah, oui, c'est lui! Ah! Putain, ça fait des slimes gratos, c'est. Putain, mais c'est cool, moi qui me cherchais des slimes. Oh, bah, j'ai tout ce qu'il faut en slime maintenant. Hop. Ça, je vais foutre ça là. Je vais foutre ça là. Là. J'en ai 7. Bon, c'est mieux que rien pour l'instant. Du coup, on va le faire cuire. Parce que, évidemment, il faut ce qu'il faut. Et du coup, on va continuer nos lasers. Hop, et bien sûr, il nous manque la glowstone au milieu. Oh putain, il me faut un signalium à chaque fois. Oh, qu'est-ce que c'est chiant ça par contre. Cool, on n'a plus rien là. C'est cool ça, c'est plutôt bien. Parce qu'on a tout ce qu'il faut là. Cependant, voilà, il me faut de la redstone en fait. Pas de la restone de la. Hop. Voilà. On revient là-dedans et on fait ça. 100 bouffe 500, 100 bouffe 1000. C'est bien, c'est parfait. C'est tout ce qu'il me fallait en plus. Glowstone, glow. Je pense pas que j'en ai encore en fait. Ça, il m'en fallait là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hop. Laser préchargeur. Évidemment, j'ai plus ça non plus. Gold, silver. Il me faut encore du silver. Putain, j'en ai plus que 32. Waouh. Ça va être juste, hein. Alors, du steel, j'en ai beaucoup. Hop. Puis l'avantage, c'est que ça va super vite maintenant. Tuc. 800 RF, hein, le panneau, il suit pas, hein, je vous le dis. Bah, il génère combien? Je me rappelle plus combien il génère ça. Hop. Electrum en mode vite fait. 4, 5, 6. Normalement, c'est 6. Voilà. J'ai le deuxième laser préchargeur. Je vais quand même récupérer le premier. Le laser tout court. Il m'en faut deux autres. Obligatoire, il m'en faut deux autres. Donc, du coup, je vais aller commander du signalium chez l'ami Ethans. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Et lui, il peut le faire en auto. C'est plutôt un bon point. Signia. Oh, c'est cool. On va en faire 10, 20. On va en faire 20. Signalium gear? Non, c'est le signalium tout court, ouais.
Du coup, on va faire ce qu'il faut. On va regarder comment il est fait, lui. Il est fait, voilà, via automatiquement ici. Donc, il envoie tout ça. Signalum gear, il est fait comment, lui? Comment il est fait, les signalium gear? Alors, il les balance là-dedans, ok. Non, tu vas pas me dire qu'ils sont déjà faits. Ah si, ils sont déjà faits. Très bien. C'est très chiant à faire, mais lui, il le fait en 2 secondes. Ah bien. Ah bien, bien, bien. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ah, 2 et 2, 4. Me faut de la glowstone aussi parce que il nous en faut. Alors 2 comme ça, donc ça veut dire 8. Il m'en faut 8 pour faire les 4 là. On le refout dans le magma et on refout là-dedans. Voilà, comme ça on va pouvoir faire du coup nos 2 préchargeurs. Et du coup, avec l'énergie, bon, bien sûr, du big reactor, il va falloir ce qu'il faut, hein, naturellement. On va pouvoir faire ce qu'il faut. T'es sûr qu'il m'en faut 2? Ah non, il m'en faut qu'un. Je sais pas pourquoi j'en ai fait 2. Peut-être allusion à quelque chose d'autre, mais bon. Osef. Voilà, j'ai tout ça. Maintenant, une fois que nous avons fait ça, on va foutre ceci. Pour avoir un chest. Pourquoi? Parce que ça va générer du minerai. À une certaine couche, on va avoir besoin de minerai. On va du coup aller à une certaine hauteur. Donc du coup, il nous faut un angel block. Ouais, on me l'a pas redonné. Et on n'a pas ce qu'il faut. Phaser. Maintenant, il me faut des poules. Il me faut des poules. MDR. Et ben, on va aller à la chasse. Coucou! Oh, ça c'est cool. Salut toi. J'ai une plume. Waouh. J'ai 2 plumes. Ouais. Hop, j'ai 2 plumes. Ça c'est cool. Puis ça repop derrière. Ah bah t'es mort. C'est con hein. Hop. Bon moi j'ai 2 plumes. C'est parfait. On va faire ce qu'il faut là directement. Voilà. Hop. Oh, il y a de l'orium. Merci. Je te rembourserai. Surtout pour y a de l'orium, c'est assez chiant à avoir, donc je rembourserai ceci. Une fois que j'en aurai. Il y a de l'orium, c'est un. Oh putain. Peut-être commencer à en buter un peu. Bonjour, ici les Slim Balls. Hop. On me donne plein de bouboules, de bouboules. Encore des bouboules, des bouboules, des bouboules. C'est cool, hein? Moi je m'éclate. Comment luck un truc rapidement? Demander à faire des petits slimes de 0,5 heures. C'est parfait. Hop. Tac, 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 tac. Oui. Oui. Donc du coup, il y a quoi dessus? Nécrotique 2. Oh, c'est sympa ça. XP, on est déjà au level au-dessus. Alors 90-72. Là, on est à... ok, 92-59. 94-40. Bon, on va attendre un petit peu que ça upgrade encore. Putain, on a 3 têtes de slim, parfait. Puis on commence à avoir du luck max, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Expert, putain. Normalement, après, c'est du. Comment? C'est du. Comment dirais-je? C'est du. C'est du. C'est du. Voilà, hop. C'est du luck au-dessus. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hop, donc là, j'aurai fort looting 2 bientôt. Du coup, bah ça étant cool, c'est super cool.
Non, c'est pas là. C'est là. Tac, tac, tac. On va foutre ça là, on va foutre ça. 21 blocs, putain, c'est... C'est pimp. C'est super cool, surtout pour faire du... Comment, du méga storage de la mort qui tue. J'ai encore des poulpes dans l'eau. Naturellement, naturellement. Il me faut du coup un autre tesseract. Pourquoi? Parce qu'il m'en faut un quand même. Yellorium. Yellorium. Hop, un stack. C'est parfait. Pourquoi un stack? Parce que ça va nous permettre de faire dans le réacteur là. Sachant qu'il produit plus beaucoup. 46 RF. C'est un peu de la merde. Ça, on va récupérer déjà. C'est plutôt sympa. Voilà. Déjà, j'en ai mis 3. Vous voyez, ça re-augmente. Hein, naturellement, et puis l'énergie en fait elle y est toujours. Le Tesseract, je l'ai foutu dans quoi? Je l'ai foutu où le Tesseract? Le Tesseract. Je l'ai foutu où le Tesseract? Je m'en rappelle plus les mecs. Où j'ai foutu les autres, l'autre Tesseract? Parce que j'en ai un là. Ouais, ça c'est un nouveau. C'est un nouveau, mais je sais pas que j'ai foutu l'autre Tesseract. Ah bah si, je suis con. L'autre Tesseract, je l'ai foutu ici. Je suis vraiment con en fait. On continue un peu. Oui. Au moins celui qui veut des slimballs, il vient ici quoi. Comment farmer quelque chose de super bien et rapidement? Bah, ici la monnaie. C'est tellement cool. Voilà. On est quel level? 82%, putain. Et vous voyez, ça monte super vite hein, quand même. Puis les slims, ça y va à une vitesse grand V. Du coup, niveau de laser, du laser, on va faire ce qu'il faut. On va le mettre à partir de là. C'est-à-dire que le laser officiel, il sera à un bloc d'ici. Donc, ça veut dire que là, tu vois, on va foutre le tank. Hop. On va le foutre à une couche supérieure. Très haut dans le ciel. Pour au moins 120, quoi. Pour bien générer. Voilà. Voilà, c'est parfait. Je fous le laser là. Voilà, c'est super beau. Ah, aïe. Ça brûle! Vous voyez, le laser, il va loin. Bon, c'est bien beau de brûler comme ça. C'est bon, t'as fini. On va faire ce qu'il faut. On va foutre de l'énergie sur les 4. Donc, du coup, on va foutre que ça comme ça. L'item, on va envoyer. Le fluide, on s'en fout. L'énergie, on va recevoir. Donc ça, c'est plutôt bien. On va le foutre sur énergie IP. Hop, on reçoit de l'énergie. Donc là, ça ne reçoit pas, c'est normal, puisque ça doit être les préchargeurs qui doivent faire le boulot. Tout simplement. Et du coup, non, je vais le foutre en bas plutôt. Vais le foutre en bas. Justement, il me faut de la cobble. Voilà. Trois. Voilà. Hop. Voilà. On fout les préchargeurs comme ça. Alors, je m'en rappelle plus dans quel sens ils sont quand on les pose. Mais je crois que c'est dans le bon sens. Ou pas. Alors lui, il est mal orienté. Voilà. Là, on brûle pas pour l'instant le laser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chargé. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, les gens, c'est grâce justement à ce laser.
voyez, les items viennent des pop. Grâce à ça, ça nous permettra de générer de l'item en illimité. Mais pour ça, allez, vous voyez, ça crabe tranquillement. Du coup, les lasers sont corrects. On a l'énergie qu'il faut. Il faut juste envoyer via des câbles l'énergie, naturellement. Voilà. Les câbles. Voilà, ça travaille tranquillement, ça travaille. Et ici, on peut voir, voilà, ça travaille pour l'instant du 27, 28 sur 300. Et une fois que ça aura arrivé à 300, en fait, ça génère un minerai qui est envoyé dans le Tesseract. Mais moi, du coup, je vais le récupérer en bas via, par exemple, ce Tesseract-là. Ça peut être sympa. L'item, on le reçoit. Voilà. Et on le reçoit comme ça. Voilà. Hop! Par ici la monnaie! Ch'ting! Knobak. Ok, très bien. Oui. Et je m'éclate comme un gosse là, les gens. De toute façon, on va le voir hein, au niveau du réacteur si ça produit ce qu'il faut ou pas. Hop! Un modifier de plus. Donc c'est toujours ça de cool. Alors, au niveau des slimes, là, franchement, je suis tranquille. Si je veux faire du sticky piston, on va dire que je suis plutôt tranquille, hein. Oh putain, l'XP par contre, la vache. J'ai oublié que l'XP, ça donnait masse. Oui. Hop. Oui. Putain, j'ai encore une tête. Oui. Bon, je vais arrêter parce que sinon... L'épisode, ça sera marqué Slim Ball. Ah, quoique, ça pourrait être sympa. Je vais l'appeler Slim Ball. Bon, en tout cas, au niveau des slimes, on a tout ce qu'il faut. L'Angel Bug, je vais le remettre. L'énergie, là, je vais la mettre là. Yellowrite, je vais la prendre pour la mettre dans le réacteur. Pour vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Hop, ça produit beaucoup plus, hein. D'un coup, voilà, ça produit, hein. C'est super important. C'est pas encore super cool au niveau de l'énergie, mais on va dire que c'est quand même assez sympa d'avoir ce type d'énergie. Ouais. Il faudrait que je mette plusieurs fuel rods en fait. Mais pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Je vais peut-être en mettre deux autres, donc ça veut dire 3, 6, 9, 12. Je vais mettre 12 encore fuel rods. Je vais justement aller chercher ce qu'il faut. Fuel rod. Je sens qu'il faut de la yellowrite en fait. Voilà. Il m'en faut 12. Fuel rod, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 fuel rod. Et fuel rod. Contrôleur. Voilà. Il m'en faut un. Ok. Deux. Trois. Et bah, il m'en faut quatre. Voilà. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, le réacteur, je vais l'éteindre temporairement. Pouf. Tranquillou. Oui, je suis dans l'eau. L'avantage, c'est qu'on peut voir dans l'eau du coup. Ouais. Et l'avantage, c'est que vous voyez le fuel rod en fait, il est réparti. Pouf. C'est fusionnel. Et on peut augmenter. On peut foutre le reste. Et là, vous voyez, déjà, c'est une explosion. C'est du kilo RF maintenant. Donc c'est quand même nettement plus avantageux. Oh, il faut dire ce qui est. Ça fait quelque chose de bien. Relais, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas trop. Voilà. Donc du coup, en tout cas, là, le réacteur, il produit 3048 kF. 3048 kF. Oui, 3480 RF partic. Ça consomme très peu.
Ouais. Et il y a toujours un exposant. Donc du coup, au niveau du laser, ça doit aller là-haut tranquille. En tout cas, il nous génère de l'aluminium, du coal, du netherlead et du mana infused. Mais bon, si on veut par exemple du yellorium à fond, on va retourner dans les lasers et du coup il nous faut un focus yellow. Pourquoi? Bah, parce que c'est tout simplement, c'est comme ça, c'est dans le mode qu'on fait comme ceci. Alors il me faut du coup du colorant jaune, préférence. Voilà, j'en ai 12, c'est parfait. Hop, bon, 48, c'est parfait. Du coup, on cuit tout ça. Ah, bah non, on cuit pas. Je suis con. On ne cuit pas. Je suis con. 1, 2, ça suffira. 12, 32, c'est parfait. Et voilà. Non, c'est pas ça. Oui, bah alors. 164. Ah. Ah si, c'est bon. Pourquoi il ne... Pourquoi il veut pas? Ah, mais... Oh putain, il a... Il y a une mauvaise conversion. Fuck. Donc c'est un problème du mode en fait. Hein. Il y a bien un problème du mode. À moins que ça soit pas le bon vert. Ah si, c'est du bon vert en fait. Il y a eu un problème de conversion les gens. Donc du coup, comment je vais faire? Bon, je reviens, je fais une ellipse. Bon, les gens, alors j'ai regardé un petit peu sur les faux-fours et évidemment il y a eu un problème, c'est de conversion au niveau de la glace. Donc du coup je me suis autorisé du coup à le give, parce que oui, faut voir ici give épée forte, hein, depuis la console. Du coup bah, j'en ai fait 6, hein, parce que c'est exactement 6 que je voulais. Donc du coup on va tout en haut. Ouais, je préfère vous le dire, hein, plutôt que vous allez dire, ah, t'as cheaté. Moi, je viens vous le dire directement. Pouf, voilà, j'ai mis un laser. Déjà là, ça produit super vite. C'est super important, ça produit super bien. C'est super cool ça. Et du coup, au niveau du truc, ça doit générer un truc jaune. Et là, oh, et il a pas mal généré, hein, il faut dire ce qu'il est. Il a pas mal de généré du tout. Mais... Waouh. Pas de l'émeraude. Du gold, c'est jaune. Donc tout ça va bien. Du coup, nous, on va se laisser là, je pense. On va se laisser là, de toute façon, il n'y a pas les Iron Chests. Il faudrait que je fasse un petit. Ah, Yellowite Or. Ça m'intéresse beaucoup d'un coup. D'ailleurs, comme il y a de l'énergie, je pourrais faire en sorte de voir. Il est content en plus. Pour y avoir en fait faire en sorte que ici je mette un truc qui permet de grinder, et puis il est content, il permet de grinder et du coup de pouvoir faire ce qu'il faut. Ah, du diamant, très bien, c'est pas un truc jaune mais c'est du diamant quand même. Enfin bref. Du coup, hop, nous on va continuer avec les bouboules. Et puis du coup, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo surtout. Me dire si ça vous plaît justement ce qu'on fait là actuellement ou pas. Voilà, sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine.